Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Evoland 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans le petit train de la mine, on va se régaler, on va prendre le petit train de la mine, on va suivre Plum Pudding, enfin Plum juste en fait, qui est la sœur de Cherry qu'on a tué dans la vidéo, non, il y a deux vidéos je crois. Et donc du coup, bah, elle nous en veut un peu. Mais on a gagné des bombes de Bomberman. Voilà. Et donc du coup, on va continuer cette petite aventure pendant cette petite vidéo, logiquement de 20 minutes, hein, si tout se passe bien. Nous sommes, je vous rappelle, en direct sur Twitch. Et donc du coup, nous sommes en direct avec Biotype, Xanagi, Alex Lyon. Je crois qu'il y a Benji qui est caché quelque part. Et il me semble que c'est tout. En tout cas, ils vont vous dire bonjour parce qu'ils sont poli, vous l'aurez compris. Je regarde vite fait si j'ai oublié personne. Je crois que j'ai oublié personne. Et si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, mais la personne va dire bonjour parce qu'ils sont polis. Exactement. Et je vois qu'il y a Devogas aussi qui est là et Bruno Souza qui ne parle pas à ces temps-ci. Donc aussi ils sont là et ils vont peut-être vous dire bonjour, on ne sait pas. En tout cas, bonjour à vous, Devogas et Bruno Souza. Voilà, je vous ai remarqué car je vous espionne. Hein. Let's go. Je lis juste les commentaires avant. On va casser tous les cailloux du monde. Yeah, bonsoir, je suis Rugue. En fait, on a déjà dit bonjour. Oui, c'est vrai, vous avez déjà dit bonjour. Allez, c'est parti. On rentre dans le jeu, dans le train de la mine. J'aime pas trop les trains de la mine parce que les niveaux de train de la mine sont pas géniaux. Ah, parfait. C'est pas un niveau. Ah, oh. Je suis un peu con aussi quand même de me prendre des sauvegardes. D'habitude, quand on explose sur une sauvegarde, ça amène des monstres. Pas là, apparemment. Cette lave en fusion m'a l'air lavante. Ça n'a rien à voir. Dites donc. Bon, on va peut-être éviter de casser tous les cailloux, hein, parce que effectivement, il y a des rats musqués un petit peu partout. Non, mais... Voilà. Suspense. Qui a-t-il au bout? Bon, en fait, je suppose qu'il faut surtout... En fait, libérer le chemin pour aller jusqu'à là-bas, hein, en fait. Hein, c'est ça? Oui, hein, voilà, évidemment. Évidemment! Évidemment. Pourquoi il y a une caisse ici? Et apparemment, on fera notre retour ici tout à l'heure. Petite... J'adore ces pièges-là dans Bomberman. Si t'es sûr de tuer ta victime, t'es super content, je crois. On va essayer quand même de les tuer toutes, hein, les souris, parce que... Petite souris, regarde-moi. Tu vas mourir, tu vas crever. Voilà, voilà, c'est fait. Tu. Hop. Hop, je sais pas pourquoi je voulais faire ça. Bon, moi je suis pas mort. Elle, oui. On est bon, maintenant on doit pouvoir passer. Tac. Bienvenue, Bruno Souza. On est d'accord, bienvenue à toi, Bruno Souza. Si tu veux parler, si tu ne veux pas parler, tu as le droit aussi. T'inquiète pas. Ce sera quoi la suite après Evoland 2? Après Evoland 2, on passera sur Mirror... Oh, wow. Hop, hop. Ah non, il y a un autre truc à faire, d'accord. On passera sur Mirror's Edge. 2. Mirror's Edge, pardon, il n'y a pas de Mirror's Edge. Enfin si, Mirror's Edge Catalyst, mais c'est en fait... Enfin bon, bref. Vous m'avez compris. Mirror's Edge. Après. 3 minutes 41, on est bon. On a plus avancé dans 3 minutes 41 qu'en 7 minutes 12 dans la précédente vidéo, je crois. C'est bien. Il y a un levier. Oh, il faut. Ah, c'est plus simple en fait. What, qu'est-ce que tu... Pipip, en fait ouais d'accord, ok. C'est que j'ai enclenché la bombe quand je reste appuyé. Donc du coup ça la pose en téléportation. Ça peut être vachement pratique, hein. C'est, je pense pas que ce soit voulu, faut que je joue avec ces trucs là. Mais c'est pas mal. Bah oui mais bon en même temps. Et merde, je suis mort. Je m'en doutais. C'est la vie pas le paradis. Tant pis.
Allez, viens. Ça n'empêche pas que j'adore Bomberman, hein. Récupère la vie. Donc du coup, il faut mieux plutôt les taper avec le super coup. Super Punch! Oh merde, je l'ai plus. J'étais en train de charger un truc que j'avais pas. Pif, paf. On est bon. Je crois que les rochers, on est bon. Derrière les rochers, c'est bon. On va juste récupérer ses sous. Et on est bon. Wasted. C'est ça. Let's go. Allez, putain, mais va dans le wagon. Ça va, vas-y, vas-y, va dans le wagon. Ah, faut appuyer dans l'espace, ok. Allez, on y go. Donc, cette zone-là, on y arrivera plus tard, je pense. Hop. C'est bien parce qu'on a déjà plein de bombes et une super flamme. I've got the super flame. Tac, tac. Chaque fois je pose du bombe là, mais ça sert à rien. Hop. Peel. Voilà. Oh, c'est des souris. C'est des souris. C'est des souris de. Du jeu là. Vous n'avez pas encore croisé celle-là. Par contre, elles sont un peu puissantes. Elles se cachent bien. Elles sont intelligentes. Oh, elles ont le coup de Sucker Punch. Ouais, mais ça servait à rien. Voilà. Il y a un coffre ici. Donc, on va essayer de faire en sorte de le casser. J'ai plus de vie. J'espère qu'il y a une sauvegarde quelque part. Parce que je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus. Plus de vie. Le coffre. Je l'ai verte. Ouh, youpi. Ah merde, j'aurais peut-être dû faire une potion en fait, j'y pense maintenant. Alors je tue ces bestioles parce qu'elles me font un peu peur. Voilà. Donc là, il faut les tuer en deux coups, ouais, d'accord. Pew pew. Voilà. Ça me permet de récupérer en même temps de la vie. Et puis là, il va falloir que je fasse des super coups du coup. Chaque punch. Ça ne sert à rien. Sucker Punch, ça ne sert à rien. Sucker Punch, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne marche pas? Je tape ces leviers, ça ne sert à rien. Je vais mourir? Non, c'est bon. Pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi ça ne veut pas? Peut-être faut que j'appuie sur espace là. Suspense, c'est ça. Ah là là. L'intelligence à l'état pur. Super. Ceci étant fait. Voilà. What? Ben non. Il y a un truc caché sur ce, derrière ce rocher là. Ah si si si, j'ai compris. On va éviter de casser le truc. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le wagonnet. On l'amène là-bas. Ok. Et dès qu'on a fini avec le wagonnet, on actionne ça, et donc du coup on reprend le wagonnet pour aller à droite. La jugeote. La jugeote. Où j'en étais? Voilà, 8,48, on est bon. Des minerals. Oh putain, on va s'éclater. Il y a une truc ici, il y en a une en haut, donc ce que je vous propose c'est qu'on aille à celle du bas d'abord. Pif pif pili pif pili 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 pili. Oh non putain, c'est des trucs à la con là. Truc casse bonbon. Peut-être alors celui-là. Ah, celui-là ça va. Celui-là ça change rien à part celui tout droit. Celui-là ça change ça. Celui-là ça change ça. Celui-là ça change ça. Celui-là ça change ça. Voilà. Ça devrait être bon. Let's try. Ah non. Le bon joueur du JDR, il voit un truc qui frappe. Le mauvais joueur du JDR, il voit un truc... il frappe, mais c'est un beau joueur du JDR. Après, on essaie de discuter. Moi, je t'avoue que j'essayais de discuter avant, quand même. Hein. Voilà. Là, c'est bon.
Là, on peut discuter. Là, regarde, là, je rentre dans le wagonnet. Dans le wagonnet. Tu vois, ça fait le tour, là. On monte plus, là, tu vois. Et après, je vais pouvoir les récupérer. Ah non. Allez, j'en profite pour sauvegarder. Mais du coup, qu'est-ce que c'est en haut? Ils m'ont fait croire qu'en haut, c'était pas, que c'était la suite pour que j'aille pas en haut, c'est ça? De toute façon, c'est qu'un levier a changé, donc ça va. Mais... Oh, putain de bug! Je comprends pas, je sais pas ce qui fonctionne. Ah, bravo, ils m'ont bien eu, là, c'est Sadiku, quand même. Hein. Étoile de collection! Putain, je croyais que c'était la suite, en fait, c'était pas la suite. Ils sont bien fortiches, hein. Des petits sacripants. Après on essaie. Je l'ai lu, oui j'ai lu, après on essaie de discuter. Pif 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 pif. Hey! Bon, on peut plus sauvegarder, mais on a récupéré les toits de toute façon. Il y a les petites. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas gagné un niveau, j'y pense. Piwio! Oula, petit bug. Oh, un creeper! Bonjour. Ils ont eu le droit de prendre des creepers? Notch l'a autorisé? Oh, quoi que c'est Notch quand même. Hein. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Par contre, là, on va tomber là si on prend les rails, non? À moins que c'était justement pour nous dire que, bah, ouais. Et on peut y aller que... Voilà. C'est bon. Règle numéro 1 des RPG, quand on te demande de tourner à gauche, il faut aller chercher les trésors à droite. Ah mais c'est ce que je fais toujours. Mais du coup, moi j'avais l'impression qu'on me demandait d'aller tout droit. Donc du coup, c'est pour ça que je suis pas allé tout droit. Pipi. Pew. Ok, voilà. Creepy, creepy, creepy guy. Creepy, 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 creepy. Ok. Ah putain, il s'est retourné en double lui. Bien, on a la super power des bombers, donc on peut les placer comme on veut. De l'XP, des pieds pièces, des pieds 7. Oh putain, force frayer un chemin là-haut. Pipi pipi pipi. Ah merde, je suis un vrai bomberman, c'est-à-dire je ne peux pas passer à travers des bombes. C'est tellement réaliste, réalistique. Du coup, la logique voudrait que j'aille en haut. Du coup, je vais aller en bas. C'est ça? J'ai toujours un trésor à récupérer. Ah non, mais en fait... D'accord. Il n'y a pas du tout de wagonnet en bas, en fait. Faut juste tuer tous les méchants et après on s'en ressortit. Ah non, on peut pas passer. Ah si, on peut passer, voilà. Laissez passer, je vais m'enfoncer. Tu n'as qu'à aspirer les rails avec ton nez. C'est marrant, ça. Alexion. Tu mérites bien ton rôle d'Alexio, toi, hein? Saligo. Creepy guy. Coucou. Coucou, mon petit. Câlin. Oups. Ah, il y avait un tzol. Laissez passer. Je l'ai récupéré. Hop, on en est à 13,37. Parfait. Donc à un moment, je devrais passer par là. Prenons ce wagonnet. Il tourne. Ouh, il y a une sauvegarde ici. Il a l'air d'avoir de la TNT. De la bonne TNT. Des voyages temporels. Attendez. Excusez-moi, je veux regarder quand même la zone. D'accord, on doit s'arrêter par là, ok. On va vraiment faire exploser toute cette mine. Beaucoup de TNT n'empêche. Je pense qu'il va être là le boss final des internets. Enfin, pas le boss final des internets, vous m'aurez compris. Mais... donc du coup, le but ce serait de le faire passer là-bas. Donc bien entendu, on va pas pouvoir le faire passer d'un seul coup. Donc il faudrait peut-être, enfin, je suppose, à moins que peut-être, que peut-être, que peut-être. Non, non, non. Hein. Ah. 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 C'est ça. Donc hop, voilà. Hop. Paf. 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 Il n'y en a aucun qui change de truc.
Ah voilà, tac 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 tac, voilà, et donc du coup. Non. Toi, tu vas là et toi tu fais non, tu fais pas ça parce que non, c'est pas gentil de faire ça. Tu me poses dans l'embarras là quand même un petit peu là. Hein. Et je suis posté dans l'embarras. Alors peut-être que du coup, ce que je peux faire. Je suppose que je peux pas pousser le. Mais je peux peut-être. Ah, attendez. Voilà. Déjà, je peux mettre le wagon. Ça bug. Je peux mettre le wagonnet en bas. Voilà, déjà, ce sera pas mal. Hop. Voilà, j'ai mis le wagonnet en bas. Hop, je mets des trucs tout droit. Alors, non. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est parfait. Tac. J'ai mis le bon wagon. Ouh, arrêtez de bugger, merde. Merde. Oh, putain. Je sais pas pourquoi ça bug, hein. Ça me casse les bonbons quand même. Hein. Toujours ces pierres chaudes qui nous empêchent de passer. C'est comme si on tapait du métal, d'accord. Est-ce que je peux rentrer dans ces wagons? Ah, il y a un panneau là-bas à lire. Merde, je suis resté devant. Il y a des pelles. Il y a un panneau. Attention au rocher explosif. Déplacez la dynamite avec prudence. Ah, ça veut dire qu'il faudrait faire. Père! Ah non. C'est pas de. Ah ben, ça c'est un truc qui est retourné, je crois. Attention, Roger est venu de poser une ambulance. D'accord, c'était de la dynamite, ok. Ça, c'est de la dynamite. Oh putain, ils sont chiants de pas vouloir se tuer là, les monstres. Tu n'as eu un chien, c'est tellement dans longtemps, mardi. Bah, pour Zelda, oui. Hein. Après, pour je ne sais pas quoi d'autre, ou effectivement, c'est peut-être long. Effectivement, je suis d'accord. Oh. En fait, j'ai à tout prix envie de me tuer, donc du coup, je mets plein de bombes comme ça. Putain, mais t'as touché un mec, un gars retourné, arrêtez donc. Bon, reprends là, ça va. Ça va, c'est gentil quand même. Ils sont plutôt sympatoches. Putain de bug de merde. Je ne réfléchis pas des fois, hein. Sachez-le. Sachez-le, hein, je fais ça un peu par intuition. Un peu par intuition. Alors, de la vie. Parce que c'est ce jour-là que je dois recevoir Zelda Breath of the Wild. Le fait de l'avoir précommandé, ça fait que je ne l'ai pas acheté. Je l'ai précommandé, donc, mais je ne l'ai pas eu Day One. Parce qu'ils sont chiants, Amazon, merde. C'est tout. Oh putain, mais attends, oh, pourquoi elle s'est rallumée là? Attends, mais on va déjà l'enfermer lui. Voilà. Font chier, hein. Salut Virgile, comment vas-tu? Comment vas-tu, très cher Virgile, comment vas-tu? C'est sur Steam ça? Oui, c'est sur Steam, c'est Evoland 2. C'est un jeu qui est disponible sur Steam et qui est disponible sur GOG. Et d'ailleurs, il est en promotion sur GOG, je crois, cet après-midi. Il me semble. Ou il y a quelques jours, en tout cas. Creepy, creepy, creeper. Pif, c'est bon. Je sais pas pourquoi ils ont mis des creepers dans ce jeu, j'en ai aucune idée. Je vois pas l'utilité, mais bon, c'est sympatoche. Bombe. On peut pas reprendre l'épée, parce que des fois, quand même, c'est plus pratique l'épée, hein. Merde, putain.
Pim. Voilà. C'est bon. C'est mon téléphone qui arrive mardi via Amazon aussi. Ah, t'as changé de téléphone, tu changes de téléphone, Zelgi? Bien, bien, je suis pas souvent dispo le samedi, mais je vais pouvoir te suivre. Bah, merci. Écoute, si tu me suis, y a pas de souci. De toute façon, hey, rien ne t'empêche de ne pas venir, hein. Tu peux ne pas venir, tu peux venir, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ta vie, t'inquiète pas, hein. Je ne t'en voudrai pas si tu viens. Je suis con quand même. Je ne t'en voudrai pas si tu viens pas, t'inquiète pas, hein. Après, bien entendu, t'as tous les liens en dessous là de sur Twitch, t'as tous les liens qui te permettent d'avoir Facebook, machin, etc. et de voir à peu près toutes les informations sur les lives. On fait à peu près un live tous les samedis. Et puis voilà. Il me semble que c'est. Ah, level up! Oh yeah! Combien? On n'a pas plus de vie par contre, hein. Mais voilà, donc du coup, il n'y a pas de soucis. Pour le lien du jeu, merci Xanagi de l'avoir donné. Évidemment, c'est pas toujours des jeux que je connais, mais c'est cool de te voir. Merci, c'est gentil. Mais oui, alors on fait pas des jeux. Attention, je fais gaffe parce que hein, ça explose vite, ça quand même, hein. Voilà. On fait pas forcément des jeux très connus, hein, ici, hein. Alors, Evoland 2 est plutôt connu, mais typiquement, on a joué à des jeux qui étaient pas forcément connus. Qu'est-ce que je peux te dire comme exemple? Tomb Raider 6, typiquement, il est pas ultra connu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu qui est pas forcément super connu? Ah merde, j'avais la TNT déjà en fait. Je suis con, j'avais déjà libéré la TNT. Ah! Je peux plus poser de bombe, voilà. Ce que je voulais faire, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on avait fait? Ah, Treasure Adventure Game, on l'avait fait en stream, mais on devra le refaire parce qu'on l'a mal enregistré. Mais Valdo, oui, Valdo. Ah voilà, tu m'as découvert sur Valdo, d'accord. Valdo, voilà, typiquement. C'est ça, c'est un... Merde, putain, mais quel con, je suis mort. Non. Valdo, c'est un jeu qu'on a fait sur le stream aussi. Mais oula, ça date. Ça date d'il y a plus d'un an, maintenant. Ça date d'il y a plus d'un an, effectivement. Et le vidéo sera un petit peu plus long que d'habitude, hein. Parce qu'on n'arrive pas à cette zone comme des idiots, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bomberman, le tout premier Bomberman. Alors, le jeu est connu, mais pas forcément le premier. Donc c'est pour ça, hein, on se fait plaisir. Hein. Oh, putain, quel con, mais... Je fonce dans les bombes. Je fonce dans les bombes. Et meurs, sale carfard. Voilà, c'est bon. Et voilà. Et là, on sait pas toujours machin. Et alors, monsieur... Ah, quand les zombies? Ah, mais ça, les zombies, ça aussi. Mais ça, c'est prévu. Ça c'est prévu de faire les zombinises, mais je voulais en faire en fait, c'était un truc que j'avais prévu, de faire un stream spécial zombinise en fait. Faire que les zombinises, ou faire que des jeux éducatifs de notre enfance finalement. Le souci c'est que, je vais me faire tuer, non c'est bon. Le souci c'est que zombinise, ben je l'ai en français pour le premier, j'ai le second en français, j'ai pas le troisième en français. Et j'arrive pas à le trouver ce troisième en français, j'ai l'impression qu'il n'est pas sorti en français. Donc je suis en train de voir là sur le site d'Abandonware France typiquement, parce qu'il me semble que le jeu, alors je sais pas s'il est considéré comme étant un Abandonware, mais voilà. Et donc du coup il faut que je le trouve. Et dès que je l'aurai trouvé, je ferai un stream spécial zombies. C'était déjà pensé, don't worry, there will be a zombie stream. And a zombie video of course, hein. Bien évidemment. Je vais mourir comme un idiot. C'est bon. Voilà, voilà. Je vais essayer de me concentrer sur ce que vous dites. Putain, mais il s'est retourné. Comment il fait, le gars? Voilà, là, il s'est retourné. Donc là, pif, pif, pif. Là, il va... Ouais, non, ça n'a pas marché. Ah, d'accord. En fait, quand une bombe le touche pas, ça lui... Voilà. J'ai récupéré un peu de vie. Donc, Zombini, ce sera prévu. Arrête de clean la zone, tu avances, tu meurs sur tes propres bombes. Alors, on va aux F. Le dernier, oui, c'est Zombini 3. Truc écologique, je crois. C'est vrai qu'il faut que j'arrête de clean la zone parce que. Parce que c'est pas bien de clean la zone. C'est pas faux. J'avoue. Oh putain, qu'elle fait chier celui-là. Mais regarde, ils font chier là. C'est con. T'arrêtes pas de m'embêter. Ils veulent pas que je casse les trucs. Ah, ça c'était sympa, voir. Voilà. Il faut pouvoir pousser la dynamite là-bas en fait. C'est bon. Avec le temps, certaines versions ne sont qu'en anglais en effet. Oui, voilà.
Et donc du coup le 1 et le 2 je sais qu'ils existent en français, le 3 je sais pas. Et j'ai pas. J'ai essayé de demander sur Abandonware mais j'ai pas l'impression qu'il soit sorti en français. Bon, de toute façon je vous ferai le jeu à un moment, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Surtout qu'en plus il est disponible en français gratos sur le site d'Abandonware France. Tac tac tac, excusez-moi, y'a. On me contacte sur Steam, je lui répondrai tout à l'heure. Non, arrête de mourir! Dena, s'il te plaît. Sois sérieux. Ne meurs pas. Mais ce monstre, il va me... je sens qu'il va me faire chier en fait. Ça, je casse. On pousse. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va avancer, vous inquiétez pas. Là, on va jusqu'à la dernière sauvegarde. Est-ce qu'il va faire chier? Non, il fait pas chier, d'accord. On va jusqu'à la prochaine sauvegarde et on arrêtera la vidéo ensuite. Vous êtes prévenus. Putain, il trouve quand même le moyen de pas mourir, hein, c'est ça, Igor. Voilà, plein de vie. C'est ce que je voulais. Parfait. Donc voilà, donc c'est prévu. Un coffre! Ouais! Je me demande si on n'était pas un minerai d'Oricon. C'est bien ça. Je me demande si on n'était pas déjà passé par là. J'ai un doute. Mais j'ai pas fait tout ça pour un coffre, n'empêche. Rassurez-moi. Ah non, voilà, il y a une zone. Et ben voilà, on a atteint la sauvegarde. Et ben très chers amis, parce que ça fait quand même 26 minutes de vidéo. Le stream ne quitte pas, hein, vous inquiétez pas. Le stream ne quitte pas, mais ça fait quand même 26 minutes de vidéo, donc on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo, très chers amis YouTube, vous aura plu. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo sur ce jeu. Vous connaissez la chanson, vous avez les liens sur les réseaux sociaux qui sont inscrits là juste en haut. Pour ceux qui sont sur Twitch aussi, ça peut être pratique. Vous avez aussi les liens qui sont dans la description, bien entendu. Vous avez le résumé des avec les petites bulles là des réseaux sociaux. Je suis très présent notamment sur Facebook et sur Twitch. Et n'hésitez pas à passer en live si vous voulez, vous commenter, vous mettez un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, comme vous voulez, faites-vous plaisir, c'est vous qui choisissez. Et n'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour dire qu'est-ce que vous pensez de la vidéo, même si ça en vient, même si on sent mal, voilà, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce jeu, ou pour un autre let's play. Allez sur ce, ciao à tous !